Salut à tous. On va voir une application qui est multiplateforme, gratuite et open source, qui permet de faciliter le transfert de fichiers entre vos différentes machines, quel que soit le système d'exploitation Windows, macOS ou Linux. Il vous faut simplement que toutes vos machines soient sur le même réseau local. Donc cette application, c'est ni trop cher. Donc une fois qu'elle est lancée, donc l'interface est déjà directement euh, en français. Et cette application va venir se loger dans la zone de notification de votre ordinateur. Donc, pour pouvoir récupérer, donc il faut aller sur le site nitroshare.net. Vous allez dans la partie euh, téléchargement. Donc Windows, macOS, Linux. Donc c'est fait par Monsieur euh, Nathan euh, Osman. Ce logiciel. Et après pour Linux, hein. donc Debian, Cine, Ubuntu 16.04 et supérieur. Donc ici, hein, ces deux commandes sudo apt-get install nitrocher et le ppa ne fonctionne pas donc ça ça a déjà été euh, signalé sur la page GitHub du projet donc pour récupérer par exemple j'ai une machine virtuelle avec la 2004 je suis allé sur le site pkgs.org j'ai tapé nitrocher et j'ai récupéré simplement donc le point d de la 18.04 et le logiciel fonctionne voilà pour ceux qui sont sur Ubuntu. Euh, il y a aussi pour Fedora et pour Archinux, il faudra passer par le dépôt AUR. Donc, une fois que le logiciel est, euh, lancé, du moins installé, donc, euh, Nitro, cher. donc, vous aurez une introduction à NitroShare. Donc, il y a une application qui, fait, qui facilite le transfert de fichiers d'un appareil à un autre on va fermer cette fenêtre et celui-ci va apparaître dans la zone de notification. on fait un petit clic droit et on peut maintenant envoyer des fichiers, envoyer un répertoire, afficher les transferts. donc vous avez une partie réglage pour par exemple mettre le nom de l'appareil. Euh, le répertoire par défaut, il va se mettre dans un dossier nitro cher dans votre euh, euh, dossier téléchargement de votre utilisateur, et après, dans tout ce qui est comportement, vous pouvez aussi hein, faire en sorte que cette application se lance automatiquement au démarrage. Vous avez une partie sécurité. Si vous voulez, à ce moment, on va dire chiffrer, on va dire le, le transfert, donc c'est un chiffrement TLS. Et après, dans tout ce qui est avancé, donc vous pouvez euh, modifier un peu les réglages et les ports. Donc ici, il hein, y a toujours la possibilité de réinitialiser. On va continuer avec le clic droit Donc à propos, donc Nitro Cher, la version 0.3.4. Alors pour le test, ce sera avec une Linux Mint. Donc pour Linux Mint, vous lancez donc, le gestionnaire de logiciels. Et pour Linux Mint, il se trouve, euh, ce programme se trouve de gestionnaire de logiciels. Il vous suffit de taper Nitro. Et ni trop cher. Donc voilà, Ni trop cher, je l'ai installé. Vous avez aussi, on peut dire, des extensions pour tout ce qui est gestionnaire de, de fichiers, Kajan et Nemo. Donc on va lancer et Ni trop cher ici. Voilà. Donc là, j'ai une notification me disant que la Linux 1019.3 euh, VirtualBox s'est connecté. Et pour la petite euh, démo, donc euh, j'ai un, un dossier test ni trop cher dans lequel j'ai un fichier son, euh, une image ISO qui fait à peu près 2 Go5 et euh, une simple image. Donc on va commencer par envoyer donc, un fichier euh, son à cette euh, Linux Mint. Donc test, ni trop cher. Je prends le fichier mp3. Donc ici, on a le nom de l'appareil. On le choisit et on fait OK. Et le transfert est terminé réussi. Donc en allant sur cette Unix Mint, vous aurez aussi des notifications. Et ici, j'ai donc euh, mon dossier, donc téléchargement, qui a aussi euh, dossier ni trop cher. Donc, j'ai euh, le fichier son mp3. Donc, sur Unix Mint, à chaque fois que vous allez euh, envoyer un, un fichier ou un répertoire, il va vous créer à chaque fois un, un répertoire vide. Donc, si c'était une image ISO, vous aurez l'image ISO plus un répertoire vide contenant donc euh, avec le nom de l'image ISO. Alors, je ne sais pas pourquoi... On va continuer donc avec un transfert cette fois-ci euh, d'un répertoire et on va directement envoyer donc euh, test ni trop cher voilà et on va faire OK donc là le transfert se fait et on peut vérifier ici hein, si c'est pas trop tard Donc là, on voit le transfert est en cours sur cette Unix Mint. Donc transfert réussi. Je reviens dans le dossier Nitroshare. Donc là j'ai test de Nitroshare on va retrouver donc le fichier MP3, l'image ISO et une image. Et à chaque fois vous aurez donc un, un dossier vide avec. Euh, le nom des différents euh, fichiers qui ont été on va dire euh, partagés donc on va faire un transfert inverse cette fois ci je vais euh, donc supprimer les fichiers vides voilà et on va partir de ce test ni trop cher décidément ils aiment bien euh... Ils aiment bien mettre le les dossiers euh, vides je sais pas pourquoi et bon voilà donc là c'est ok, ils sont bien supprimés et on va faire le test de la Linux Mint vers la PC Linux OS. Donc on part cette fois-ci en envoyer un répertoire en partant de la Linux Mint Nitrocher, on va prendre le test Nitrocher qui contient euh, donc un fichier mp3, une image ISO et une image. On va faire choisir cette fois-ci le nom de l'appareil. OK. Et le transfert est en cours. Sur la PC Linux OS, donc là je vois que le transfert est en cours depuis la Linux Mint 19.3 VirtualBox. Voilà, donc transfert réussi. Et on peut. Donc c'est ça qui a une petite différence avec la version 0.3.3 et la version 0.3.4, c'est on peut directement voir les fichiers qu'on a reçus. Donc là ou des dossiers donc là dans mon cas c'est un répertoire donc test ni trop cher. et dans celui-ci je vais bien retrouver le fichier mp3 euh, l'image iso et l'image donc je ne serai pas plus long pour ce test moi je simplement préférer qu'il y ait un petit peu plus de on va dire de traçabilité, parce que parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on a envoyé donc peut-être que ce sera dans une version, on va dire, euh, ultérieure de ce logiciel NitroShare. Donc faudra suivre l'actualité. Pour l'instant, je vais continuer à, à utiliser. Donc si vous utilisez ce programme, dites-moi dans les commentaires de la vidéo qu'est-ce qui peut être amélioré. Ou si vous avez aussi une alternative à NitroShare. Donc une alternative qui est multiplateforme gratuite et open source. Sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.